Hey, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau let's play. Un let's play incroyable, un let's play que je pense vous y attendez pas du tout. Hein. Déjà, on est sur Switch, c'est ma toute première vidéo sur Switch. Hein, déjà, ça annonce la couleur. Ma toute première vidéo sur Switch et surtout sur un jeu. Alors, avant de vous parler du jeu, je vous parle juste de... tout simplement de la Nintendo Switch. Alors c'est ma toute première vidéo sur la Nintendo Switch et comme vous le voyez, je ne filme pas l'écran de la Nintendo Switch directement. Oui, je filme en mode petit coup, je filme l'écran directement de la Nintendo Switch avec mon petit téléphone. Du coup, il y aura quelques focus. Désolé, hein, c'est pas ma faute simplement. C'est juste qu'en fait, j'ai vu que pour enregistrer l'écran de la Nintendo Switch en HD et surtout tout court, hein, eh bien, il faut tout simplement acheter quelque chose. Simplement, je vais acheter quelque chose. Je sais pas le nom, mais c'est un enregistreur d'écran en HD. Hein. Tout court surtout, hein, parce que ça permet surtout de enregistrer l'écran de Nintendo Switch et de transporter la vidéo, donc la capture vidéo, sur n'importe quel appareil. Donc par exemple, mon téléphone pour faire les montages, ou sinon mon futur PC pour faire d'autres montages simplement. Du coup, et pourquoi je l'ai pas acheté? Eh bien, c'est parce que je ne sais pas si vous allez aimer mes vidéos sur la Switch. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais faire 2-3 vidéos sur la Nintendo Switch. Et si vous aimez bien mon let's play, hein, le let's play du jeu que je vais vous dévoiler dans quelques instants, ou sinon les autres vidéos que je vais faire sur la Nintendo Switch, si vous aimez les vidéos que je fais sur la Nintendo Switch, eh bien, j'achèterai sûrement, même fortement, l'enregistreur d'écran, simplement. Donc voilà, si vous êtes énormément à apprécier ce que je fais sur la Nintendo Switch, eh bien, j'achèterai l'enregistreur d'écran, simplement. Comme ça, vous aurez une meilleure qualité et tout beau. Enfin, comme mes vidéos sur le téléphone, quoi. Enfin, il y aura quand même du montage, hein, mais c'est juste que c'est filmé avec le téléphone. Donc voilà, il y aura quelques focus, quelques trucs, des fois ça bouge, après. Dites-moi si ça vous embête ou quoi. Alors, je dis que je filme en mode Kiku, mais c'est un Kiku Pro, hein. Un Kiku Pro. C'est-à-dire que j'ai éteint toutes les lumières de ma chambre, c'est-à-dire une. J'ai fermé tous les volets de ma chambre, j'ai fermé ma porte et j'ai mis la luminosité de ma Nintendo Switch de... J'arrive plus à parler. De ma Nintendo Switch à 1. Simplement. Du coup, comme ça fait en mode je filme l'écran de ma Nintendo Switch, mais en fait pas du tout. C'est pour faire, voilà, meilleur quoi. Du coup, voilà, c'était tout, hein, voilà, j'ai tout dit. Du coup, avant que je vous dévoile le jeu, hein, mais je suis con parce qu'en fait sur la miniature et le titre, vous l'avez le jeu. Bon, du coup, le jeu c'est Undertale. Et oui, Undertale, vous êtes totalement choqués. Parce que en fait, je pense que quand vous avez vu la miniature et le titre, vous vous êtes dit, c'est un autre youtubeur, un autre petit youtubeur, c'est pas possible. Et bah si, c'est bien moi, le petit scorpion. Enfin, bientôt ma chaîne va se renommer Le Scorpion, quand j'aurai 1000 abonnés. Ce qui, ça veut dire dans, 10 ans. Enfin bref, donc... Undertale, oui, vous rêvez pas, hein, Undertale, simplement. Je vais faire un let's play dessus, hein, pas une vidéo, hein, non. Un let's play, sa mère. Et oui, un let's play... Sur Undertale, alors vous inquiétez pas, je connais le jeu par cœur. Oui, ça peut décevoir certains, d'autres non, parce que je pense que quand j'ai commencé ça, vous êtes dit « Oh non, il connaît pas le jeu, il va encore tutoriel comme tout le monde, machin, comme tous ceux qui connaissent pas. » Vous inquiétez pas, je connais le jeu, hein, je connais le jeu par cœur, du coup, même tous les dialogues, etc. Donc, si vous connaissez le jeu, ce n'est pas obligatoire de regarder mon let's play. Si vous voulez redécouvrir Undertale ou sinon regarder mon let's play, vous pouvez le regarder, ça ne me gêne pas. Désolé, c'est pas l'écran enregistré, mais bon, je pense que ça ne gênera pas si l'écran de la Nintendo Switch n'est pas enregistré totalement. Enfin, totalement, vous avez compris. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, eh ben, je vous invite à regarder mon let's play, car je vais tout vous expliquer bien, comme il faut, etc. Du coup, parce que je pense que quand vous allez voir la gueule du jeu, ou sinon, si vous connaissez le jeu, donc pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, bah, je vous invite à regarder, hein, vous allez voir, c'est génial. Alors, franchement, si vous êtes pas fan du jeu, hein, regardez les 5 premiers épisodes que je vais faire sur Let's Play, et je pense qu'après les 5 premiers épisodes, vous allez totalement changer d'avis sur le jeu. Parce que le tutoriel et le début du jeu, ça représente pas trop le jeu, mais petit à petit, en fait, ça va crescendo. Ce jeu est génial, ça a l'une des meilleures bandes-son de tous les jeux vidéo confondus. Ça a une histoire incroyable, enfin des histoires incroyables.
Enfin bref, on y va pour Undertale. Alors le jeu est en anglais. Et oui, parce que c'est la version Switch, pas la version PCFR. Du coup, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Simplement, vu que je connais les dialogues par cœur, je vais tout vous traduire. Donc, on est parti pour Undertale. Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde. Un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Donc, les humains ont gagné contre les monstres, avec une guerre. Avec un sortilège, ils scellèrent les monstres sous terre. Maintes années passèrent. Mon et Bots, 2000 trucs. Alors, la légende raconte que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais. Donc là, vous voyez qu'une petite fille, enfin, un petit personnage, du moins, on va discuter pendant le let's play de ça. Donc, un petit personnage, il monte la montagne, elle monte, et trébuche sur une branche et tombe dans un énorme trou qu'il y avait au sommet de la montagne. Et s'éclate la tronche, on peut le dire ça comme ça. Et du coup, c'est là où tout commence. Donc, voilà. Le personnage, un personnage, hein, qu'on va te contrôler, petit spoil, bon, ben spoil, bon, pas le spoil de malade, Undertale. Du coup, le personnage qu'on va contrôler ensuite, donc le personnage principal, pardon, a chuté. Voilà. Pourquoi il y avait un trou au sommet de la montagne, on ne sait pas. Ah bon, mais donc Undertale. Du coup, instruction. Ok, bon, c'est largement moins compliqué que sur PC. Hein. Alors, nommer l'humain ayant chuté. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, ce jeu est en anglais. Et surtout, j'ai déjà fait des tests, en fait, j'ai déjà fait un test. Du coup, il y a quelques trucs qui m'ont changé pendant le début de partie, mais c'est pas grave. Du coup, je sais que je peux pas écrire scorpion. En entier, je ne peux pas, il n'y a pas assez de place. Du coup, j'ai une idée, hein, au lieu de. Voilà. Je vais m'appeler Scorpi. Voilà, je vais m'appeler Scorpi. Tout simplement. Du coup, Scorpi, tout simplement. Donc, tac, Scorpi. C'est un petit nom mignon, ça va, c'est. Alors, du coup. Alors, il faut un P là. Il est où le P? Voilà, Scorpi. Donne son est-il correct et bien évidemment. Ah merde, j'ai cliqué sur quoi? Ah oui, j'ai cliqué sur nous. Ok, son est-il correct, bien évidemment. Et là, nous avons notre petit personnage hein, tranquillement qui est sur un tapis de fleurs. Voilà, un tapis de fleurs. Et vous voyez qu'il y a une lumière qui éclaire. Donc ça, c'est le trou. Hein. En haut, là, si elle lève la tête, bon, on peut pas lui faire lever la tête. Mais, enfin, ça servira à rien. Mais, vous me direz, dans les Mario, on peut. Bref. Mais, au-dessus de sa tête, il y a le gros trou où elle a chuté. Alors, comment elle a fait pour survivre? On ne sait pas. On ne sait pas. Hein, voilà. Du coup, on va avancer. Donc j'espère, pour ceux qui connaissent pas Undertale ou ceux qui ont une mauvaise opinion. Vous allez aimer, j'espère. Je vais essayer de vous faire découvrir bien le jeu. Du coup, on a une porte, et là. Alors, ce n'est pas l'un de mes personnages préférés. Hein. Je sais que pour beaucoup, c'est le personnage préféré. Mais voilà, elle est bien, quoi. Donc, nous avons une petite fleur avec un petit smiley sur. Bah voilà, un petit smiley, quoi. C'est comme si qu'on avait implanté un smiley sur une fleur. Mais voilà, elle est mignonne, voilà. Donc, nous allons lui parler. Howdy, donc coucou, c'est moi, Flower. Alors, oui, pendant le let's play, me dites pas que je suis un taré, je vais juste faire les voix, voilà, parce que ce jeu, hein, tout le monde le dit, il faut jouer avec les voix, voilà. Donc vous allez pas me reconnaître, tout simplement. Déjà, je suis fan du jeu, hein, donc voilà. Et on est parti, donc. Howdy, donc coucou, c'est moi, Flower, Flower the flower, donc Flower la fleur. Hi-hi-hi. Me présenter à nouveau et puis quand encore? Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà fait comment dire, des tests tout simplement. Comme, ben voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré le jeu pour voir si ça allait.
Du coup, c'est pour ça qu'elle me dit ça. Normalement, elle dit autre chose. Hein. Elle dit, ouais, t'es tombé dans l'autre monde, what the fuck. Je vais te montrer comment ça marche ici et tout. Mais bon, du coup. C'est pas très poli de faire comme si tu me connaissais pas. Quelqu'un te doit d'apprendre les bonnes manières. Bon, c'est bon, hein. Je suppose qu'une vieille branche comme moi fera l'affaire. On peut y aller? C'est parti. Tu vois ce cœur? C'est ton âme, la somme de tout ton être. Alors oui, je change, je fais plusieurs intonations de voix. En fait, je cherche un peu la voix de Floé que je vais lui faire, mais je pense que je vais faire une voix super aiguë. Du coup, vous voyez, ce cœur, c'est l'âme, hein, voilà, donc on peut la bouger comme ça, avec le joystick, ou si on les flèches. Voilà, simplement. Du coup. Au début, ton âme est faible, mais devient plus puissante en gagnant des LV. C'est quoi LV? Bah, love, l'amour, évidemment. Attends, on dirait un dessin de gamin comment je parle. Alors, tu veux de l'amour, non? Ne t'inquiète pas, je vais t'en donner. Là, elle fait un petit clin d'œil. Ici, l'amour se partage grâce aux deux petits pétales d'amitié. J'espère que je fais bien la voix de Chloé. Hein. C'est bon pour toi? Allez, attrape-toi autant que tu peux. Et si je les esquive? Eh mon pote, tu les as ratés. On recommence, ok? Et si je veux pas? Mais c'est trop marrant, attends, j'ai jamais fait ça, moi. Attends. Quoi? Mais t'es débile? Fonce dans les projectiles! Pétale d'amitié. Cool! Oh, on s'est déjà joué à ce que je vois. Dans ce monde. Oh non, non, il dit pas encore. Genre, normalement, il dit dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Meurs. Donc, vous voyez que Floé, c'est pas la petite fleur mignonne toute gentille. Hein. Et donc là. Voilà, elle dégage. Donc, la petite boule de feu apparaît et. J'adore cette tête. Et elle se fait dégager par. Je vais vous dire son nom après. Du coup. Quelle horrible créature! Torturer ainsi un pauvre enfant innocent! Ah, n'aie crainte, mon enfant! Je suis Toriel, gardienne des ruines! T'as la voix que de Toriel! Dites-moi en fait si les voix ça vous plaît ou pas! Chaque jour, je regarde par ici si quelqu'un est tombé. Aucun humain s'est aventuré ici, en ces lieux, depuis bien longtemps, je crois qu'elle dit. Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Par ici. Et voilà, donc nous avons rencontré Floey, hein, donc la petite fleur, et Toriel. Simplement, Toriel. Du coup, alors Floey, vous voyez que c'est pas genre une petite fleur toute mignonne avec le smile et tout, hein. C'est vraiment une psychopathe, hein. Franchement, tu veux être tué pour dire des phrases comme ça, il faut vraiment être psychopathe sur les bords. Du coup, enfin sur les bords, sur partout en fait. Du coup, et déjà, enfin bref. Du coup, Toriel. Du coup. Ok, bon, elle s'est barrée. Du coup, vous voyez les étoiles là, jaune là. C'est des points de sauvegarde. L'ombre des ruines se dessine au-dessus de vous, vous emplissant de détermination. PV, alternance restaurée. Et voilà, ruine, entrée, progression sauvegardée. Bon, du coup. Tac. Alors là, il y a un panneau en haut, mais on peut pas le lire. Je sais pas si. Si quand on hack le jeu entre guillemets, hein, on peut le lire, mais je sais pas si c'est écrit quelque chose, hein, mais bon, c'est peut-être une déco. Mais bon. Du coup. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Okay, bon là c'est pas très très compliqué. Hein. Les ruines sont remplies d'énigmes. Elle consiste en amalgame archaïque de clés et de subterfuges. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Donc en fait, ce sera plein d'énigmes en fait. Hein. Après tant en voir souvent, voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, simplement. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, je sais que si. Alors, est-ce qu'il y a des easter eggs? Non. Parce que je sais que sur la version Switch, ils ont rajouté des easter eggs. Mais bon, j'y ai pas trop pris l'impression. Alors, sur le panneau. Que les entreprises. Parce que. Je sais pas parler.
Que les intrépides s'avancent, les braves, les sots ne passent pas par le centre. Du coup. Ok. Alors, pour progresser ici. Ah ouais, attends, il faut que je fasse les voix, il faut pas que j'oublie. Pour progresser ici, il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs. Ne t'inquiète pas, j'ai marqué ce que tu dois actionner. Alors, ce panneau est plutôt drôle, parce que regardez ce qu'il dit. Appuie sur A pour lire le panneau. C'est con, mais voilà, c'est con, voilà, bon, déjà, voilà. C'est con, simplement. Du coup, ce panneau est aussi marrant que l'autre, hein. Restez sur le chemin. Voilà. Ces deux trucs, ces deux panneaux sont vraiment cons. Franchement, j'aurais dit deux trucs que t'aurais pas pu lire si t'avais pas fait le... Enfin, c'est Undertale, quoi. Alors, du coup, le premier interrupteur, là, elle l'a mis, hein. Il y a des flèches, voilà. Du coup. Alors. Toc. Voilà. Splendide. Alors, toc. Splendide. Je suis fière de toi, mon enfant. Passons à la pièce suivante. Toc. Dans l'autre monde, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer et faire face. Alors là, cette phase-là qu'on va voir, c'est très important et surtout comme ça je pourrais vous montrer le système, etc. Alors, mais des craintes, le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Essaie de gagner du temps, je viendrai résoudre le conflit. Essaie de gagner du temps. Ah ouais, merde. Ok, je lis la mauvaise chose. Entraîne-toi à parler au mannequin. Voilà. Du coup. Alors, oui. Parler à un mannequin. Faut dire que... Ouais, voilà, c'est un peu con. Du coup, nous allons parler au mannequin. Du coup, voilà, comment se déroulent les combats. Donc, vous voyez que ici, c'est écrit combat, ici, action, ici, objet, ici, clémence. Voilà. Donc, vous rencontrez le mannequin. Alors, fight, nous allons jamais y toucher, mais jamais, sauf à la fin. Mais la fin, ça arrive dans le temps. Alors... Objet, ça ne fait rien, on n'a rien. J'avais toujours envie de savoir si on clique sur objet, si, voilà, mais il n'y a rien. Alors, ça, donc, clémence, on peut pas. Du coup, axe, donc on doit faire, alors, on peut soit clémence, soit action. Je vais faire action. Alors, mannequin, du coup, on peut soit l'examiner, soit lui parler. Je pense qu'on va l'examiner en premier. Alors, mannequin, attaque 0, défense 0. Il fait de coton. D'accord. Ok. Le mannequin. D'accord. Alors. Du coup, on va faire clémence. Ah, mais non, attendez. Ok, bon, ça fait rien. Alors, tac. Voilà, il faut faire. Voilà, parler. Alors, vous parlez au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. Vos actions ont l'air de faire plaisir à Toriel. Victoire, vous obtenez 0 XP et 0 PO. On a juste parlé à un mannequin, elle est fière de nous, sérieux. Ah, très bien, tu te débrouilles très bien. Bon. Du coup, on est replaté, hein. Alors. Tac. Il y a... ah ouais, il faut que je fasse les voix, il faut pas que j'oublie. Il y a une autre énigme dans cette pièce. Je me demande si tu peux la résoudre. Alors. Faudrait que je fasse une voix plus féminine en fait, parce que là je fais une voix un peu de bourgeois un peu. Ouais. Bon. Ok, là on rencontre notre premier monstre. Alors, enfin, premier monstre, le mec casse, c'était pas un monstre. Hein. Alors, Croix-Peau vous attaque. Alors, bien sûr, on va pas l'attaquer, hein, voilà, on pourrait l'attaquer, mais on l'attaque pas. Du coup, alors là on a plusieurs trucs, vous voyez qu'on peut soit les examiner, soit le menacer, on va pas faire ça, soit le complimenter. Alors, on va pas le checker. Vas-y, on va le checker. Alors, Croix-Peau, attaque 4, défense 5. Toriel est venu avec un regard en mode, allez. Et du coup, Croix-Peau, bah, c'est en allée, tout simplement. Donc, ouais, victoire, vous obtenez 0 XP, 0 PO, tout simplement. Alors. Ok, et qu'est-ce que tu fous, Toriel? Ah, il faut appuyer sur moi. Ok, d'accord. Donc... Voici l'énigme, mais
Tiens, prends ma main un instant. Cette voix, elle est parfaite, par contre. Cette voix, la voix que je fais là, elle est parfaite. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle prend notre main. Tranquille, hein. On traverse tranquille, ensemble. Sans pression. Alors, du coup. Les énigmes ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. Un peu trop... Attends, j'ai bugué là. Un peu trop dangereuses pour le moment. Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. Voilà. Non, t'as rien vu. Bon, en fait, il faut juste... Alors là, je vais appuyer sur ma flèche, voilà. On a juste à marcher comme ça en ligne droite. Ce qui n'est pas vraiment très compliqué. On va pas se le cacher, c'est pas compliqué de marcher en ligne droite. Par contre, c'est extrêmement long. Je savais pas que c'était aussi long. On sait quoi, ça va s'arrêter là. Ah, c'est bon. Donc, elle était cachée derrière le pied. Salutations, mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné. J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Cet exercice avait toutefois un but ô combien important. Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Sois sage, d'accord? Et du coup, voilà, elle nous a donné un téléphone portable. Alors, du coup, comment on accède au menu? Enfin, au menu, au truc. Est-ce qu'on appuie sur plus? Non. Ah, voilà, on appuie sur Y. Alors, item, bien sûr, on n'en a pas, Scorpie. Alors, level 1, alors on augmentera, on sera toujours level 1. Hein. HP, 20, bon, bref. Du coup, stats. Donc, on a les stats ou le téléphone. Alors, du coup, ouais. Du coup, on va prendre le téléphone. Alors, on peut faire plusieurs choses. Hein. Dire bonjour, à propos de toi, l'appeler maman ou flirter. C'est très chelou. Je sais pas si on va le faire, ça. Mais, donc, dire bonjour. Alors. Ding. Alors, Toriel à l'appareil. Tu voulais juste me dire bonjour? Eh bien... Attends, ma voix bégaye là. Bonjour. J'espère que ça te convient. Très bien. Alors maintenant... on va tout simplement à propos de toi, hein, pour en savoir plus sur Toriel. Toriel à l'appareil, tu veux en savoir plus sur moi? Eh bien, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose à dire. Je suis juste une vieille dame qui s'inquiète trop. T'as ma voix pas en steak, hein. Bon, elle dit qu'il n'y a rien à lui dire, mais il y a beaucoup de choses que Toriel nous dit pas, hein, franchement. Il y a des choses à dire. Ensuite, on va l'appeler maman. Ça va lui faire extrêmement plaisir, ça, par contre. Toriel à l'appareil. Hein? Tu viens de m'appeler maman? Eh bien, si tu veux. Est-ce que ça te fait plaisir de m'appeler comme ça? De m'appeler mère? Bon. Voilà. Et maintenant... Ça, je suis pas prêt, hein. Franchement, vous êtes pas prêt. On va flirter avec. Voilà, déjà, vous voyez le jeu, comment il est. Bon. Est-ce que je le fais? Allez. Vous êtes pas prêt, hein. Déjà, sa tête, elle se dit, what? Comme c'est mignon, je t'en passerai presque les joues. Enfin bref. Oh sérieux quoi. Bon, tu peux sûrement trouver mieux qu'une vieille dame comme moi. Voilà, c'est tout hein, voilà. Là, je pense que Toriel elle se pose des questions, elle se dit mais what the fuck, pourquoi, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est ma vie. Alors je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y a derrière le pied. Y'a rien. On peut quand même se cacher. D'accord, bon. Du coup, on y va. Cette musique. Dring.
Allô? Toriel à l'appareil. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas? Si, je viens toujours de la quitter, là. Il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord? Voilà. Du coup, on a un point de sauvegarde. Faire criser les feuilles avec espièglerie, vous emplit de détermination. PV entièrement restauré, de toute façon, on n'en a même pas perdu. Scorpie, ruine, tas de feuilles. Alors, du coup, lui va nous dire quelque chose. Alors. Tac. Croix. Excuse-moi, humain. J'ai quelques conseils à te donner pour affronter les monstres. Alors. Si un monstre... Alors, attends, quoi? Ok, voilà. Si un monstre ne veut plus te combattre... là, je suis un peu perdu. Ah oui, voilà. Si un monstre ne veut plus te combattre, s'il te plaît, fais preuve de clémence, humain. Voilà. Ah, on a un combat, d'accord. On a le second combat, simplement. Hémoplasme s'approche docilement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah non, mais on peut déjà l'épargner, j'ai oublié ça. Tac, donc, voilà, épargner. You win. Enfin, c'est you won, plutôt. Du coup, alors là-bas, nous avons un petit pilier avec des bombecs. Simplement des bombecs. Du coup, il est marqué, prenez-en un. Prendre un bonbon? Oui. Vous prenez un bonbon. Appuyez sur X, simplement, pour ouvrir le menu. Du coup, je ne vais pas en prendre plusieurs, parce que ça peut détruire ma pacifiste, simplement. Parce qu'après, ils disent qu'on est une ordure et tout, puisqu'on en prend plein, parce que c'est écrit en prendre qu'un. Du coup, vous voyez que maintenant, j'ai le bonbon. Alors, je ne vais pas l'utiliser, hein, je vais le garder très précieusement. Donc, voilà. Alors, du coup, on va continuer. Alors, cette musique, par contre, elle est trop bien. Franchement, cette musique, parfaite. Alors, deuxième combat. Ah, encore hémoplasme, on peut... Hémoplasme, c'est nul, on peut déjà l'épargner. Bon, ok. Alors, du coup, là, je crois qu'on est obligé de tomber. Enfin, on est obligé de tomber. Ok, bon. Ah oui, non, mais je vais pas repasser. Ok, il y a beaucoup de combats. Non, mais hémoplasme, je t'ai dit que je veux pas te combattre. Non, mais c'est sérieux. Au bout d'un moment, je vais t'attaquer, hein. Non, on est en tout pacifiste, avec mon accent de merde. Non, on est en pacifiste, bien évidemment, on va tuer personne. Mais par contre, si vous aimez énormément CSP et que vous êtes beaucoup à me le demander, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein, je ferai le génocide en live, tout simplement. Ou pas en live, je sais pas, oui. Bon, oh, Dring. Allô, toi et l'appareil. Juste comme ça, que préfères-tu entre la cannelle ou le caramel? Alors, je vous le dis, je préfère le caramel. Hein, au lieu que la cannelle, franchement, je pense que tout le monde a choisi caramel, enfin quasiment tout le monde. Je sais que la cannelle c'est bon, mais je préfère largement le caramel. Franchement, caramel c'est la vie. Oh, je vois, merci beaucoup. Clic. Ok, d'accord, elle nous rappelle 2 secondes après quoi. Alors. Allons, t'as rien à l'appareil. Tu nous détestes. Pas la cannelle, si. Genre, je lui ai dit que je préférais la cannelle. Enfin, la cannelle. Je lui ai dit que je préférais le caramel. Elle dit, tu ne détestes pas la cannelle. Genre, elle va me... Enfin, aucune logique. Je connais tes préférences, mais... Tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette. D'accord, je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Ta patience, ouais, bon. Alors. Du coup, le panneau, on va le lire. 3 rochers gris sur 4, vous recommande de les pousser. Alors. T'as une pluie. On peut pousser, d'accord. Ok, un crapaud se tille. Alors, il faut le complimenter, je crois. Alors, vous complimentez le crapaud. Le crapaud, pardon. Il ne comprend pas ce que vous dites. Mais quand même flatté. Alors, là, vous allez voir, il va donc. Voilà. Ah, c'est pas des projectiles là, c'est une grenouille. Donc, il faut esquiver les particules blanches qu'il y a sur le petit carré. Vous voyez, c'est ça le système de combat. Alors, on peut l'épargner, c'est parfait. Tac, épargner. C'est parfait, c'est juste parfait. Alors oui, il faut pousser le pire. Alors. Ok. Alors là, je sais plus c'est quoi le chemin. Alors, je vais tomber juste pour vous. Hein. Et voilà. En fait, quand vous tombez, ça vous montre le chemin. Ça vous montre tout simplement le chemin à prendre, en fait.
Donc. Ok, j'ai voulu lire. What the f... Ok, d'accord. Je sais pas qu'on tombait sur deux persos d'un coup comme ça dès le début du jeu. Alors, déjà, je peux déjà épargner. Et hémoplasme là. Miaou, d'accord. Donc, vous voyez, il faut esquiver ça. Ah putain, non, je. Ah, ok. J'ai failli me faire toucher. Alors, du coup, on va le complimenter. Donc, on complimente Croipot, mais il comprend pas. Ok, il rougit. Donc, le crapaud là, bon, il est pas très très dur à. Voilà. Pour l'instant, les combats sont vraiment pas durs à. Vraiment pas durs, tout simplement, mais ça va se complexifier très rapidement. Alors, s'il vous plaît, ne marchez pas sur les feuilles. D'ailleurs, mais. Allez, super cool. Ok, encore un point. Putain, on a pas de combat. Ah, un génie minuscule! Bah, je peux déjà l'épargner. Ok, génie minuscule. Ciao. Alors. Je vais pas passer 10 000 ans sur ça. Ok. Là, c'est plutôt marrant ce panneau. On vous a dit de pas marcher sur les feuilles, non? Voilà. Mes rires sont insupportables, oui. Mais voilà, c'est. C'est encore un panneau con. Genre, ils ont mis des feuilles au seul endroit où il y a ce panneau. Voilà. Mais putain, mais je suis con quoi, mais pourquoi je tombe? Oh non, mais oh là là, un gros détour. Et voilà, on y est. Alors, du coup. Donc là. J'essaie de pousser la pierre. What? C'est la première fois que je vois ça? 3 génies minuscules en même temps. Est-ce qu'on peut les épargner? Eh, waouh, c'était un combat. Mais what the fuck? Attends, il y a 3 génies minuscules et ça n'a servi à rien. Genre 3 génies minuscules en mode ouais, embuscade, mais épargné. Voilà. Du coup, 3 rochers gris sur 4, vous recommandez de les pousser. On a poussé 3 rochers. Celui-là, c'est le 4ème. Déjà, un rocher qui parle. Hein. Voilà, vous avez jamais vu ça. Waouh, partenaire. Donc, tu me demandes de bouger? Ok, juste pour toi, mon lapin. Alors, oui, c'est un rocher qui parle. Hein. Tu veux que je bouge encore un peu? Dakodak, ça va comme ça? C'était la mauvaise direction. Oh là 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 là. Ok, je crois que c'est bon. Voilà, merci mon pote. Ça a été utile? Oui, très utile. Sérieusement, ok, encore trio de génie minuscule qui servent à rien. Oui, sérieux. Alors, tu veux que je reste de. Ah putain. Tu veux que je reste dessus? Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Ah, sérieux. Bon, du coup, allez. On continue. Ok, alors là, c'est un peu what the fuck ça. Savoir que la souris sortira peut-être un jour de son trou pour manger le fromage. Cela vous emplit de détermination. Tout est normal, hein, voilà. Ruine, trou de souris. Alors, vous allez voir que ça sera de plus en plus what the fuck. Voilà, what the fuck. Bon, là, c'est pas très what the fuck, mais bon. Du coup, quand on clique sur le trou... Voilà, on entend la souris. Du coup, le fromage... voilà. Voilà, le fromage est resté si longtemps qu'il est collé à la table. Oh là, il a fondu, il est collé à la table. Bon, vous allez voir que c'est encore... Ça va s'empirer, tout simplement. Du coup... Un personnage qui est mignon, qui est un peu, comment dire... Triste, mais qui est mignon. Vous allez voir. Zzz, zzz, zzz. Allez, pars. Zzz. Ce fantôme n'arrête pas de répéter Z à voix haute en prétendant dormir. Les quartiers de force? J'ai pas envie, mignon. Mais on va les quartiers de force. Ouais, parce qu'on est obligé. On est obligé, sinon on peut pas avancer dans l'histoire. Vous voulez quoi? Vous voulez un let's play ou vous voulez pas un let's play? Les quartiers de force, bien évidemment. Et on est parti pour le premier thème de boss. Et c'est un mini-boss. Écoutez ce thème. C'est trop bien. Alors, c'est pas le meilleur thème, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est bien. C'est le thème de Nastablook, je l'aime bien. Du coup, et voici Nastablook. Du coup, on peut soit les... Donc, on peut soit l'examiner, soit le menacer. On va pas du tout faire ça. Soit l'encourager, soit le flirter. On va pas flirter, ni... on va l'examiner. Alors, Nastablook. Attaque 10, défense 10. Défense 10, pardon. Ce monstre semble dépourvu de sens d'humour. Alors... Oh, je suis vraiment cool. Oh putain. Oh là 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 là. Je me suis déjà touché.
Ok. Faut que je m'entraîne, hein, parce que c'est pas le combat le plus énorme, enfin le plus difficile. Hein. Donc si je me fais déjà toucher à stade, voilà. Nasa Blue aimerait être autre part. Alors. Je vais le complimenter. Alors. T'as que vous complimenter Nasa Blue, il a un petit sourire. Et. Je ne voudrais pas être. Oh là là. Le pauvre. Il me fait de la peine, Nasa Blue, franchement. Oh là là. Bon, on va. Donc en fait, on va faire que complimenter. Alors, Nasa Blue. Ok, Nasa Blue, genre, il retrouve un peu de son boudoir. Ok. Ah! Waouh, putain, j'ai déjà perdu ma PV. Alors. Alors. Du coup, maintenant, on va encore. J'ai fait quoi là? Quoi? Non! J'ai menacé! Non! J'ai pas fait exprès, non! Merde, j'ai menacé, je suis deg! Attendez, non! Ouais, voilà. Let me try. Oh! Appelle-moi! Blue le Dandy! Oh là là, le pauvre! Bon! Il est mignon. Putain, je suis deg, je l'ai menacé. Non, je suis deg. Bon, du coup. Alors. Du coup, Nasa Blue, vous voyez qu'il retrouve un peu d'humeur. Il est plus joyeux, etc. Alors, du coup, maintenant. Tac. On va le complimenter. Oh. Tac. Alors. J'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il n'y a personne dans les alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil. Oh, je suis encore en train de divaguer. Je vais m'écarter de ton chemin. Et du coup, c'était Nasa Blue, tout simplement. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. J'espère que ça vous a plu. Alors, dites-moi si ça vous dérange ou pas que des fois j'hésite quand je dois traduire. Dites-moi si ça vous gêne. En fait, dites-moi tout ce qui vous gêne. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont vous gêner. En tout cas, c'est un grand plaisir de faire ce Let's Play, parce que j'adore ce jeu, je suis super fan de ce jeu, franchement. Franchement, quand je l'ai acheté sur Nintendo eShop et que j'ai vu qu'il marchait, franchement, je me suis dit, allez, Let's Play. Du coup, voilà, j'espère que vous avez cet épisode, je suis vraiment... Voilà, je vais vraiment faire ce Let's Play, mais avec tout mon cœur, franchement, je suis super fan de ce jeu, encore... Enfin, bref, c'est le jeu où je suis plus fan. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, abonner, partager la vidéo. Dites-moi tous vos sentiments, enfin, tous vos sentiments. Ce qui vous gêne, ce qui vous plaît, etc. C'est bien, voilà. Dites-moi tout. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao.